Yo la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que mes chers et tendres abonnés vont bien. Merci, on devient de plus en plus nombreux. Bon, juste un petit scoop, on vient de dépasser la barre des 30 000 abonnés. Ça c'est Dieu et on doit lui dire merci. Puis je dois vous dire merci aussi, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos partages. Donc merci de continuer de vous abonner. Je vous aime du lot. N'oubliez pas le micro-trottoir, c'est pour bientôt. Je suis toujours en train de réfléchir. Comme le mois de décembre c'est bientôt, je verrai entre le mois de décembre et le mois de janvier. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Cette nouvelle vidéo, elle est destinée à deux artistes, si vous voulez bien, aux danseurs de deux artistes. Je veux parler là des danseurs de Bordeaux, Likoufa, mon artiste à moi, et les danseurs du grand talentueux Safarel Obiang. Oui, il faut le dire, et il faut le reconnaître. S'il y a des danseurs qui se sont bien démarqués en cette année 2018, là, il n'y a pas deux choses danseurs. Il n'y a pas deux groupes de danseurs, si vous voulez. C'est bien les danseurs de Bordeaux, Likoufa et de Safarel Obiang par les chorégraphies et les créativités. Et il serait judicieux que vous m'aidiez à dire, à donner votre opinion, à donner votre préférence si vous voulez. Voilà, parce que les deux groupes de danseurs sont très forts, ils sont super talentueux. Mais dans tout ce show, il y a des préférences. Voilà. Moi, je ne vais pas donner ma préférence dans cette vidéo, je vais juste faire mon analyse et donner mon opinion. Mais avant de faire mon analyse et donner mon opinion, je préfère vous laisser voir leurs prestations aux 10 ans de carrière. 10 ans de carrière, la célébration des 10 ans de carrière de Didier Kedjevara au Palais de la Culture. Et après ça, vous allez m'écouter. Vous allez entendre ce que j'ai à dire sur ces deux groupes de danseurs-là. Donc bon visionnage, famille. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure. Thank you.
Alors, chers abonnés, vous venez de voir les prestations des deux groupes de danseurs, hein? Les danseurs de Bordeaux et les danseurs de Safarel. Bien avant d'aller plus loin dans mon analyse, j'aimerais vous juste vous informer qu'à 17h aujourd'hui, oui, 17h, je crois bien, oui, 17h, je me prononce sur le dernier single de Mola et je vous donne quelques détails sur le concert du 29 décembre. Donc ce soir, j'aurai à me prononcer sur le Mola, DJ Arafat et de Bordeaux. Donc soyez branchés à 17h aujourd'hui. Ceci étant, mon opinion maintenant sur ces deux groupes de danseurs. Comme je l'ai dit plus tôt en début de vidéo, ces deux groupes de danseurs qui sont super, super talentueux, super forts, ils sont vraiment, vraiment créatifs. Ça y est, on prend plaisir à les regarder pendant plusieurs heures, pendant plusieurs minutes. Voilà. Parce que ce qu'il faut dire, s'il y a un artiste qui a longtemps volé la vedette avec ses danseurs, dans le showbiz ivoirien, pour ne pas dire précisément dans le coupé décalé, c'est bien DJ Arafat. Je ne suis pas en train de dire que ces danseurs qu'il a actuellement ne sont pas talentueux, mais ne sont pas forts. Mais parmi les forts, du moment, il y a des forts. Et pour ma part, pour mon opinion personnelle, je pense que les deux groupes de danseurs qui se démarquent vraiment nettement du lot, c'est les danseurs de Bordeaux et de Safarel Obiang. Je vais prendre d'abord les danseurs de Safarel Obiang. Ce qu'il faut savoir, ce sont les danseurs qui dansent avec lui depuis ses débuts. Ils étaient tout petits. Ils ont grandi avec lui en fait. Donc il y a une certaine, on va dire, complicité entre eux-mêmes et même avec l'artiste. Voilà, Safarel c'est un bon danseur, mais il faut dire que ce sont ces danseurs qui l'ont encore bonifié. Parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est que Safarel Obiang, c'est quelqu'un qui aime la perfection. Donc il fait danser, pour ne pas dire faire bosser ses danseurs comme des malades. Voilà, je me ferai le plaisir de vous faire passer une de leurs vidéos d'entraînement de répétition. Vous verrez combien de fois. Safarel Obiang, c'est pas de l'amusement, quoi. Quand il veut travailler, c'est vraiment, vraiment, vraiment le top. C'est pourquoi vous voyez ses belles chorégraphies, lors de ses prestations, il lève toujours des foules. Voilà, c'est un travail acharné dans l'homme, voilà, qu'on met à nu, à la lumière, et ça vous fait plaisir. Donc, moi, je pourrais dire par exemple que l'avantage des danseurs de trucs de Safarel, c'est en symbiose, c'est-à-dire en groupe, ils sont super, super forts. C'est-à-dire, ils ont des pas de danse qu'ils exécutent en groupe, qui sont jolis à regarder. Et puis, ils se réinventent toujours. Si vous remarquez bien, depuis Manger Chier, je vais commencer par là, parce que c'est bien que c'est vrai que Safarel chante bien avant ça, mais depuis Manger Chier, si vous observez bien, les chorégraphies ne se ressemblent pas. Et ça, c'est vraiment l'avantage du groupe de Safarel, de l'ensemble du groupe de Safarel. C'est des petits. Individuellement, ils ne me disent pas trop grande chose, sans vous mentir. Individuellement, ils ne me disent pas trop grande chose. Mais lorsqu'ils se mettent à danser ensemble, c'est vraiment, vraiment joli à voir. Ils dégagent vraiment une très, 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 très grande énergie. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire, au niveau de l'occupation scénique et de la coordination des pas, c'est toujours parfait. Vous venez de le voir dans la vidéo tout à l'heure. C'est toujours parfait. Au niveau de la coordination des pas et de l'occupation scénique, rien à dire sur les danseurs de trucs, ça paraît bien, parce qu'ils sont vraiment, vraiment top. Mais je pense que leur petit défaut, leur petite faiblesse, c'est au niveau de l'individualité. Là, je ne les sens pas vraiment. Voilà. Si vous remarquez bien dans la présentation que je viens de passer, quand l'un des danseurs vient faire, comme vous voulez, ses roucascas et tout, il accompagne un pas que le groupe suit. Ça fait encore plus joli. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Il accompagne toujours d'un pas, et puis le groupe suit. Ça fait toujours joli. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que je suis en train de donner mon opinion, mon point de vue, mais il serait bien de me dire, entre les danseurs de Safarel Obiang et de Bordeaux, c'est quoi votre préférence en fait? C'est quel groupe de danseurs que vous pouvez élire meilleur danseur 2018? C'est mon objectif parce qu'à la fin de l'année, je ferai des tops. Voilà. Donc c'est en fonction de vos commentaires et de vos réactions que je ferai ces tops-là. Donc dites-moi aussi en commentaire, entre les danseurs de Bordeaux, au regard surtout de cette prestation entre les danseurs de Bordeaux et les danseurs de Safarel Obiang, c'est quoi votre préférence? C'est quoi votre groupe de danseurs préféré? Voilà. Maintenant, les danseurs de Bordeaux Likoufa. Les danseurs de Bordeaux Likoufa, il faut dire que ce sont des professionnels. Voilà. Ce sont des danseurs qui viennent des groupes qui ont participé à, par exemple, au plus grand concours de danse en Côte d'Ivoire, Baby Dance Battle. Donc, c'est des petits qui sont vraiment, vraiment expérimentés. Les danseurs de Safarel, par contre, c'est des enfants qui ont appris sur le tas. Ils sont nés avec la danse. Vous comprenez un peu? Mais le groupe de Bordeaux, c'est des gars qui sont vraiment, vraiment pros. Il y a beaucoup de synchronisation dans ce qu'ils font. Il y a beaucoup de professionnalistes. Et puis eux, ils mélangent un peu. Voilà. Eux, ils ne sont pas seulement sur le roucascas, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est des gars qui mélangent la breakdance, le smurf et puis le roucascas. Donc, ce mélange-là est à leur avantage, en fait. Voilà. Si vous remarquez bien, la danseuse de Safarel Obiang danse bien, mais je ne sens pas trop de créativité. Ça y est, ils ne sortent pas trop
de la danse pure. Si vous voulez les roucascas, vous pouvez décaler, ils ne sont pas trop de ça. C'est ça aussi un petit désavantage. Voilà. Maintenant, concernant les trucs, les enseignes de Bordeaux, en groupe, c'est beau, c'est parfait, mais ce n'est pas l'effet des enseignes de Saint-Paul-ou-Bien. En groupe, ça c'est mon opinion à moi. Parce que où je ressens plus la force des enseignes de Bordeaux, c'est au niveau individuel. Au niveau individuel, franchement, les danseurs de Bordeaux, ce sont des génies. Ce sont des génies. Ils sont tous forts. Et parmi eux, celui-là même que je kiffe le plus, ne faites pas de jaloux, hein, c'est juste une préférence de ma part. C'est juste que j'apprécie le plus dans le groupe des danseurs de trucs de Bordeaux que je suis il y a longtemps, c'est Robot Brass. Robot Brass, c'est un super, super danseur. Il peut te danser les chansons américaines, il peut te danser les chansons coupées décalées, il peut te danser les chansons traditionnelles. Il est complet comme danseur. Donc c'est ça aussi l'avantage des danseurs de Bordeaux. Au niveau individuel, ils sont irréprochables. Ils sont surdoués dans le truc en fait. Voilà. Mais au niveau de la coordination des pas et de l'occupation scénique, il n'y a rien à dire aussi. Mais si c'est au niveau de ce plan-là, je préfère bien les danseurs de Safara-Lubian. Donc c'est pour vous dire que quoi? Ces deux groupes de danseurs qui sont vraiment démarqués du lot. Et j'ai besoin de vous en commentaire pour donner au moins le top 5 des meilleurs danseurs 2018 du showbiz ivoirien, précisément du coupé décalé. Donc c'était la vidéo du jour. Si elle vous a plu, partagez-la avec vos amis, dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, parlez des ritos. Et puis rendez-vous à 17h aujourd'hui. Voilà. On parle de clash. On va en débattre à 17h. Donc, le bébé Mola, rendez-vous à 17h aujourd'hui. Des Bordeaux, Didier Arafat, rendez-vous à 17h. Ciao, ciao les amis, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.